qu'une mauvaise conservation des aliments peut entraîner leur détérioration. À quoi correspond cette détérioration? Cette détérioration peut être le résultat du développement dans les aliments de nombreuses bactéries ou de nombreux champignons microscopiques appelés les moisissures. En plus de modifier le goût, l'aspect, la texture et l'odeur des aliments, la présence de ces micro-organismes peut être dangereuse pour la santé. Pour conserver les aliments le plus longtemps possible, il faut donc empêcher le développement de ces micro-organismes. Pour cela, nous devons comprendre les conditions de développement de ces micro-organismes. Le développement des micro-organismes dépend de plusieurs facteurs, dont les plus importants sont la disponibilité en eau, qu'on appelle aussi l'humidité, la présence de dioxygène dans le milieu, le pH, on parle parfois d'acidité, et la température. Si on prend l'exemple du pH, on observe que les conditions de pH permettant le développement des différents micro-organismes ne sont pas les mêmes. Cependant, on remarque tout de même que très peu de micro-organismes se développent dans des milieux très acides, avec un pH inférieur à 3, ou au contraire dans des milieux très basiques, avec un pH supérieur à 11. Pour la température, on observe sur ce graphique que la vitesse de croissance de la bactérie Listeria dépend de la température. Pour des températures inférieures à 4 degrés, la bactérie peut survivre mais ne se multiplie pas. Entre 4 degrés et 35 degrés, la vitesse de multiplication de la bactérie augmente. On dit que 35 degrés est l'optimum de température de cette bactérie. Au-delà de 35 degrés, la vitesse de multiplication diminue à nouveau. Et au-delà de 50 degrés, la bactérie ne se multiplie plus et meurt. Attention, l'optimum de température n'est pas le même pour toutes les espèces de micro-organismes. Par exemple, l'optimum de certaines bactéries est de 20 degrés, alors que pour d'autres, il peut être plus élevé. Cette connaissance de la biologie des micro-organismes permet de développer différentes techniques de conservation. Nous allons en présenter ici quelques-unes. Comme au-delà d'une certaine température, les micro-organismes meurent, on peut chauffer les aliments pour détruire les micro-organismes et augmenter ainsi la durée de conservation des aliments. C'est le cas de la pasteurisation et de la stérilisation. Comme en dessous d'une certaine température, les micro-organismes ne se développent pas, on peut conserver les aliments plus longtemps à de faibles températures. La congélation maintient les aliments à une température de moins 18 degrés, ce qui provoque l'arrêt total du développement des micro-organismes. Les aliments peuvent donc être conservés plusieurs mois. La réfrigération maintient, elle, les aliments à une température entre 0 et 4 degrés, ce qui ralentit le développement des micro-organismes. Les aliments sont ainsi conservés, mais moins longtemps que dans le cas de la congélation. On sait aussi que le développement des micro-organismes dépend de la disponibilité en eau. Certaines techniques de conservation consistent donc à diminuer la quantité d'eau disponible dans les aliments pour éviter le développement des micro-organismes. C'est le cas du séchage, qui permet par exemple d'obtenir du lait en poudre, de la lyophilisation, de la salaison ou de la sucraison. La plupart des micro-organismes se développent à condition qu'il y ait du dioxygène dans le milieu. On peut donc conserver les aliments dans un milieu sans dioxygène, c'est le principe des aliments sous vide. Certaines techniques de conservation combinent plusieurs stratégies. C'est le cas par exemple de l'apertisation ou mise en conserve, qui consiste à détruire par la chaleur tous les micro-organismes, puis de conserver les aliments dans une boîte ne contenant pas de dioxygène. La plupart des procédés de conservation maintiennent les qualités nutritionnelles essentielles des aliments, comme la teneur en nutriments, qui ne va pas changer. Cependant, de petites modifications sont constatées. La quantité de vitamines peut diminuer et le goût, par exemple, peut varier. L'ajout de certaines substances comme le sel lors de la salaison, le sucre lors de la sucraison ou les conservateurs chimiques peut parfois poser des problèmes de santé, maladies cardiovasculaires, hypertension, diabète, allergies.